Salut! Bienvenue dans cette petite vidéo sur les miniatures YouTube. J'étais en train de faire une miniature YouTube, comme vous pouvez le voir à l'écran. En fait, je me suis rendu compte d'une chose. En regardant cette miniature, que j'aime bien, mais qui est certainement loin d'être parfaite, je me suis rendu compte qu'elle ne donnait pas envie de cliquer. Formation gratuite. Ouais, c'est super. Il n'y a que ça sur Internet. Numéro 1 sur GMB, ok. La recette officielle. La recette officielle. Pourquoi la recette officielle? Bah, en fait, cette vidéo, je vais montrer la notice de Google. C'est-à-dire que Google vous explique directement comment référencer votre page et comment monter dans le classement. Du coup, pour être honnête et transparent, je voulais mettre la recette officielle. Et je me suis dit, voilà, c'est pour être plus transparent, plus honnête par rapport aux autres vidéos que je vois sur Internet, où souvent les personnes se font passer pour des gourous qui possèdent des super compétences, des super hacks, des super astuces, sauf qu'en vrai, c'est marqué sur Google. Bref, là n'est pas le sujet. Je me suis rendu compte du coup que cette miniature YouTube ne donnait pas envie. Et en quelques clics, je l'ai changé. J'ai changé quelques mots. Et je pense qu'elle donne beaucoup plus envie de cliquer maintenant. Même si on s'éloigne un petit peu de la réalité. Alors on va voir ce que ça donne. Voilà comment j'ai changé tout ça pour que ce soit beaucoup plus glamour. Donc déjà, j'ai mis les Google Leaks. C'est-à-dire les fuites Google, comme si Google nous avait donné des informations par erreur. Trois points d'exclamation, évidemment, puisque c'est important. Et j'ai changé la formation gratuite en Top Secret Revealed. Et puis ensuite, j'ai changé Top Secret Hacks. Hack. On va mettre Hacks même. On va mettre au pluriel. Je crois que je l'ai mis au pluriel. On revient, hop là, c'était pas ça que je voulais bouger. Voilà, Top Secret Hacks. On va mettre un S. Et puis, on va améliorer un tout petit peu le contraste. Ça n'a rien à voir avec le propos de la vidéo, mais on va le faire quand même. Voilà, en mettant un violet un peu plus foncé. Et ici, on va mettre un rose flashy. Comme ça, on a toutes les couleurs à la mode. Tac. Un rose flashy, mais assez clair quand même pour qu'on ait un bon contraste avec Top Secret Hacks. Voilà. Et donc, au lieu d'avoir une proposition totalement honnête et transparente, on a transformé ça en quelque chose de plus excitant. Comme si vous alliez découvrir des hacks, des astuces cachées, des secrets révélés grâce à des fuites Google, comme si des employés de Google avaient laissé par mégarde des informations cachées. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je pense que vous ne m'en voudrez pas pour cette petite optimisation de cette miniature YouTube. J'espère que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à commenter, dites-moi votre avis, donnez-moi des idées, des propositions, et on en parle ensemble. Un petit pouce vers le haut, on s'abonne si vous voulez plus de vidéos comme ça.